Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En vrai, je prends tout le temps mon téléphone pour filmer, mais je pourrais grave prendre ma caméra quand même, ce sera un petit peu plus sympathique. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le je ne sais même pas. On est quand? On est quel jour? Alexa, quel jour sommes-nous? Date du jour, mardi 29 juin. Voilà, mardi 29 juin. Là, il est 11h39. Donc du coup, j'ai reçu mes courses, comme vous avez pu le voir. On a fait un drive. Enfin, j'ai fait un drive. S'il te plaît, Francis. Lui, il est en train de fouiller pour voir s'il peut se mettre un peu sous la dent. Tu veux sortir faire pipi ou pas, là? Du coup, ouais, j'ai envie de vous faire des petits vlogs. J'ai la tête dans le cul de ouf. J'ai trop mal dormi. Mais vas-y. Mais non, par là, voyons. Voyons, Marcel. Ouais, j'ai bien envie de faire des vlogs, genre de la semaine, ou peut-être parfois je ferai juste le jour, j'en sais rien. Peut-être que ce sera des vlogs qui dureront hyper longtemps, peut-être que ce sera des vlogs hyper courts, peut-être que j'aurai rien à vous filmer. Mais genre, j'adore faire des vlogs, et je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, j'adore regarder des vlogs, même où il y a pas forcément quelque chose qui se passe. Ah, je me suis dit, why not? Je me suis réveillée, genre il était 10h30, je me suis endormie genre vers 4h du matin, j'ai trop, mais trop mal dormi, je n'arrivais pas à dormir, impossible de dormir, c'était vraiment insupportable. En plus j'ai le dos, bon il est moins bloqué là, mais depuis dimanche, genre fin d'après-midi, j'ai eu le dos bloqué, genre j'avais envie de crever tellement j'avais mal, ça faisait un moment que ça ne me l'avait pas fait. J'en avais parlé sur Insta, comme quoi j'avais eu plusieurs fois le dos bloqué, vraiment... au point de vraiment de chialer tout tellement ça me faisait mal. Sauf que j'avais mal... Il m'épuise. Sauf que j'avais mal vraiment surtout au niveau des hanches, enfin de la hanche surtout à droite. Et là maintenant j'ai mal aussi à la hanche à gauche. Et surtout maintenant ça me prend tout le dos. Et là je vais ranger les courses. D'ailleurs je vais peut-être vous montrer les courses que j'ai prises. Je ne sais pas. Je vais voir. Et j'ai même pas eu le temps de me coiffer parce que du coup le mec il est venu plus tôt, il m'a dit oui est-ce que je peux passer plus tôt machin pour les courses. Du coup je me suis même pas coiffée, enfin, c'est n'importe quoi. D'ailleurs j'ai les cheveux, je sais pas ce qui m'a pris. D'ailleurs j'ai même pas ouvert les volets en haut comme vous pouvez le voir. Nous sommes dans le noir. C'est super. C'est ça que je voulais dire, ça va faire 2 semaines la mercredi que je ne me suis pas lavé les cheveux. Je n'ai pas fait ça, je n'ai jamais fait ça en fait de toute ma vie. Et je sais pas, genre j'ai tenu 1 semaine. Et après, en ce moment, j'essaye maintenant de me laver les cheveux 1 fois par semaine. Je le fais de plus en plus, là, depuis quelques mois. Alors ça arrive que parfois je le fasse 2 fois par semaine en fonction de si j'ai quelque chose à faire ou je sais pas, si je vois des gens et tout ça. Et que je sais que bon, c'est un peu moyen d'avoir les cheveux dégueulasses ou pas tout à fait propres. Et vu que le shampoing sec, il faut absolument que je trouve autre chose que le shampoing sec Baptiste. Parce que je sais pas si vous c'est pareil. Mais en fait, moi, je le supporte pas dans le sens où ça me démange de ouf le crâne quand je le mets. Et puis, ça me fait des petites pellicules du coup blanches. Donc, on dirait que j'ai plein de trucs dans les cheveux et tout ça. Ça me gratte surtout de ouf. Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même bien de la merde dedans. Bon, je suis navrée, la luminosité est dégueulasse. De toute façon, je pense qu'après, je vais charger ma caméra et que pour voilà, prochainement, je sais pas exactement, donc genre demain, je filmerai avec, si je filme demain. Donc du coup, je vous montre un petit peu mes petites courses. Donc j'ai pris des myrtilles, de toute façon, vous allez voir, j'ai pris un max de fruits, de légumes, de trucs pour me faire des salades composées. Des trucs trop bons parce que voilà, là je fais vraiment attention. Je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais en ce moment je me trouve dégueulasse depuis genre 1 mois ou 2. Voilà, c'est le problème de l'arrivée de l'été quand on voit les nanas en bikini, même si on sait qu'il y en a certaines qui retouchent, etc. Et qu'on sait qu'en fonction de la pose, parce que nous aussi, hein, moi aussi quand je me prends en photo, j'essaie d'avoir quand même une jolie pose et voilà. Bah, du coup, j'ai complexé. Voilà, c'est super. Du coup, j'ai repris le sport, mais le problème, c'est que voilà, entre je suis tombée malade et après dos bloqué, bah, le sport, pour l'instant, il est un petit peu à la poubelle. Voilà, je suis un petit peu dégoûtée. J'ai pris également des framboises, j'ai pris des tomates cerises. D'ailleurs, ça me fout la haine à chaque fois quand je reçois dans un sachet comme ça, là, plutôt que dans de là-dedans. Ça, c'est beaucoup plus logique. J'ai pris des carottes, j'ai pris 1 kilo de carottes. Je pourrais ne manger que des fruits, mais genre vraiment. J'ai pris également des cerises. Franchement, en ce moment, elles sont vachement bonnes. Un petit melon, il n'est pas très gros. Hein. Par contre, ça, c'est clair et net. Voilà. Je m'attendais à un truc énorme. Je vais en trouver un truc minuscule, vraiment.
Ils font tout pour nous mettre les trucs les plus minuscules. Quand on prend des drives, c'est abusé. Genre, voilà, un petit melon d'eau, melon, je sais pas comment vous appelez ça, moi j'appelle ça un melon d'eau ou un melon jaune. Des bananes, parce que ça, franchement, des bananes, genre, pour en ce moment, pour me faire genre des smoothies ou juste à manger comme ça, comme parfois j'ai un petit creux, genre, juste manger une banane comme ça, c'est top. Pour les smoothies, les jus d'orange, etc., j'ai pris du coup des oranges à jus. Voilà, ça, j'en achète au maximum. Et sinon, je sais pas si vous savez, mais j'achète le jus d'orange Andros. Vraiment, c'est pur jus pressé et ça se sent et c'est trop trop bon. Il y a plein de pulpes et tout. Moi, j'adore ça, la pulpe, donc je kiffe. Toujours dans le but de me faire une salade. Là, ça sera pour faire une salade avec de l'avocat, tout ça. Enfin, moi, ça va être trop bon. J'ai pris des crevettes. Vous allez voir que je crois que je n'ai pas pris de viande. En ce moment, je ne mange plus de viande ou que très rarement. C'est pas pour me faire, hein, pour faire des salades. Sinon, j'ai pris des allumettes. Parce qu'on a une salade avec, je sais plus, je crois que c'était pour faire une salade avec des haricots verts, celle-ci. Soit je me suis noté en fait toutes les salades que je voulais faire avec les ingrédients et tout ça. Mais vous allez voir, sinon, dans l'ensemble, la viande, j'en ai tellement pas pris. Là, j'ai pris du jambon. Parce que c'est vrai que le jambon cru, c'est très très bon avec des petites salades. Donc, voilà, ça par contre, j'ai pris. Et je crois que c'est tout ce que j'ai pris en viande. Si je dis pas de bêtises. Après, j'ai repris plein de boules de mozza. Voilà, j'en ai vraiment pris plein. J'en ai pris genre 7 boules de mozza parce que voilà, j'aime trop. Et c'est pareil, Kylian, quand il mange à la maison, c'est ce qui est très rare. Hein, parce que maintenant, le soir, vous allez voir, je vais vous montrer, il prend que de la soupe, voire il ne mange pas parce qu'il avait. Enfin, pendant 2 semaines, je crois, il a fait le. Ou une semaine. 2 semaines, je crois, il a fait le jeûne intermittent où il ne mangeait plus le soir. Après, j'ai pris du coup des chèvres comme ça. J'adore moi les chèvres comme ça. Je trouve ça trop trop bon. Pour se faire des petites salades, des petits chèvres chauds, c'est trop bon. Hop. Mais il va falloir que j'en trouve ça, là, je vais plus avoir de place. J'ai pris également. Oh non, il est tout écrasé. J'ai pris du crottin de chèvre parce que c'est vraiment, genre, je crois que c'est mon fromage préféré, ou en tout cas l'un de mes fromages préférés avec, je pense, le comté. Genre, j'aime trop ça. Et celui-ci de la marque Repère, il est pas mal du tout. Et il y en a un autre aussi, je sais plus quelle marque c'est. Et je le trouve trop trop bon. Celui que j'aime un peu moins, c'est la marque Riant, je crois que ça s'appelle. J'aime un petit peu moins. Mais j'ai pris 2 trucs de feta parce que ça, pareil, dans les salades composées, c'est juste trop trop bon. De toute façon, je pense que je vous montrerai tous les jours, dès que je ferai une salade composée, ce que je fais, tout ça, ce que je mets dedans. Voilà, je pense que ça peut être cool à montrer en vlog. Ça peut vous donner en plus des petites idées justement de salade composée à faire tout l'été et même toute l'année en fonction voilà, de si vous en avez envie ou pas. J'ai pris également des œufs parce que ça, les œufs, franchement, j'essaie de toujours toujours en avoir. Parce que parfois on ne sait pas quoi faire à manger, on veut faire un truc vite fait, donc hop, des petits œufs au plat ou je sais pas, une petite omelette, un truc comme ça, des œufs coques aussi, je kiffe les œufs coques, c'est vraiment genre ma forme d'œuf préférée. Là, du coup, j'en ai pris aussi pour faire des œufs durs pour mettre dans une des salades composées. Alors du coup, pareil, pour une salade composée, j'ai pris des pois chiches, donc j'ai pris vraiment un gros truc parce que je pense que genre à chaque fois ça me fera 2 repas. Minimum, je pense, en fonction de comment j'ai faim. Du coup, je vous avais dit que j'ai pris des soupes parce que Kylian, il prend des soupes le soir. Donc, j'essaie de prendre des soupes qui sont un minimum calorique. Alors, c'est vrai que moi, je préfère les faire moi-même, les soupes. Mais clairement, il faudrait que j'achète 1 milliard de millions de kilos de légumes. On n'aura pas de place. Ce n'est pas possible. Voilà, il faudrait que j'y aille tous les jours. Et clairement, ça m'emmerde d'aller tous les jours faire les courses. Donc, du coup, j'ai pris velouté jardinière de légumes bio. J'en ai pris plein de sortes. Comme ça, il goûtera. Et voilà, il choisira quelles sont ses préférées. Il prendra en photo celles qui sont ses préférées. Et je, comme ça, je saurai celles qu'il aime un peu moins ou pas. Donc, c'est 8 légumes. En gros, il y a genre carottes, tomates, pommes de terre, oignons, du chou-fleur. Visiblement, il y a plein de trucs. J'ai l'impression qu'il y a du navet. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Ensuite, j'ai pris douceur à l'italienne de chez Knorr. C'est tomate mozza. J'ai juste pris la classique tomate. Voilà, putain, d'ailleurs, elle a morflé celle-ci. Celle-ci, c'est la marque Repère. Voilà, quand je vous dis que j'ai pris vraiment de tout. Ça, c'est Knorr, encore une fois. Douceur d'automne à la crème fraîche. Ça, il me semble qu'on l'avait déjà goûté. Il me semble bien. Je crois qu'elle est pas mal du tout. Donc, vous voyez, vu que c'est douceur d'automne, il y a des trucs du style potiron, etc. Il adore d'ailleurs. Soupe au potiron, c'est ce qu'il prend quasiment tous les jours. C'est soupe au potiron, soit classique, soit avec crème fraîche. Et on avait goûté aussi Kiri. Et honnêtement, Kiri, on voyait pas la différence avec crème fraîche. Donc,
Ça, voilà, je crois que c'est un peu plus cher, ça n'a pas trop d'intérêt. Encore une bio, mais là c'est la bio Knorr. Moulinet de légumes variés. Ça, je crois que c'est la dernière. Pour qu'il teste, parce qu'il adore les champignons, je lui ai pris velouté de cèpe et bolet. C'est la marque repère, encore un régal souple là. Donc c'est ça. Donc à voir. Moi j'adore, je trouve ça super bon les soupes aux champignons. Ma mère elle en faisait quand j'étais petite. D'ailleurs, il faudrait que je lui demande comment elle la faisait, la recette exacte qu'elle faisait, parce qu'elle était délicieuse. Et que ça n'a rien à voir quand même avec les celles qui sont comme ça, même si vous voyez marqué sans colorant, sans conservateur, il y en a, c'est vraiment marqué que genre c'est 100% légumes, etc. Malgré tout, les soupes qu'on fait à la maison, ça reste quand même les meilleures. Voilà, donc bah à voir, il goûtera et je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, il n'a pas du tout les mêmes goûts que moi à ce niveau-là. Il n'est pas fan de légumes, mais par contre les soupes il aime bien. Alors pour faire encore une fois mes petites salades composées, j'ai pris du coup des haricots verts comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour faire avec les allumettes. Bon, j'avoue que c'est un petit plaisir parce que ça fait genre des semaines que je n'en ai pas mangé des bonbons. Donc, et là, rien que de les voir, je me dis c'est une très mauvaise idée d'avoir fait ça. Et du coup, j'ai pris des schtroumpfs, des petits fils, les Scooby-Doo. Voilà, j'aurais préféré prendre des trucs qui piquent, mais vous n'avez pas ce que je vous mets. Il faut qu'il aime aussi, s'il aime bien du coup, rajouter 2-3, parce que comme je vous l'ai dit, il fait quand même attention, donc il en rajoute juste 2-3, histoire d'avoir un petit peu le goût. Petit crouton à l'ail. L'ail, c'est vraiment la base, les meilleurs, voilà. Là, il me semble que c'est la marque repère. Hein. Voilà, c'est la marque repère. Ils sont très très bons. J'ai pris de la coriandre. Bah, donc, du coup, j'ai pris de la coriandre parce que je kiffe la coriandre et que avec des salades je trouve ça trop bon. Alors en l'occurrence là je vais en mettre je pense dans ma salade crevettes, avocat, enfin bon voilà, trop bon, j'adore ça. Et puis, de toute façon même genre pour me faire des nouilles sautées ou des trucs comme ça, mon dieu ça va être trop bon pour me faire les ramen, les trucs comme ça là. Oh, mamma mia, j'adore ça. Je viens de remarquer que je suis vraiment un trou du cul parce que j'avais un petit sac avec du surgelé et j'ai oublié de le ranger, mais bon c'est pas grave. Et du coup j'ai pris du persil comme ça parce que à chaque fois j'achète du persil frais là, il te met ça dans les petites barquettes avec du plastique et tout. Le problème c'est que dès que tu l'ouvres, après tu le fous au frais et il devient tout... enfin il pourrit quoi. Toujours pour les salades du coup j'ai pris pas mal de mâches, ça je kiffe. Ça, même parfois quand j'ai pas faim, vous voyez, genre je me fais comme ça juste une salade avec de la mâche, genre juste de la mâche, du citron, de l'huile d'olive, un peu de sel, extraordinaire, délicieux, j'adore. Ensuite j'ai pris des fraises pour pouvoir me faire des smoothies. Ensuite j'ai pris du coup bah, des avocats, ça c'est le truc qui me faisait peur pour ma petite salade. Ils ne sont pas du tout mûrs, donc je vais les mettre au pire à côté des bananes. Ensuite j'ai pris bah, des tomates. Voilà, des tomates. J'ai pris 2 concombres aussi, encore et toujours pour faire des petites salades, des lentilles. J'ai repris les petits trucs comme ça là pour de chez Diatermine, là c'est des strips purifiants, vous voyez c'est pour enlever les points noirs. C'est les meilleurs, si vraiment vous en cherchez des biens qui arrachent vraiment, qui enlèvent vraiment les points noirs. Ceux-là sont vraiment géniaux, j'en ai testé plein et ce sont les meilleurs, mais genre vraiment. J'ai pris une grosse betterave parce que très souvent je prends, vous voyez, les packs où il y en a 3-4 et donc du coup bah, je les mange jamais toutes. Donc je me suis dit je vais prendre là une grosse betterave comme ça. En plus c'est vachement bien, elle est sous vide donc voilà, ça dure vachement longtemps jusqu'au 01-12. Voilà, donc jusqu'en décembre quand même ça dure. J'ai pris des oignons rouges et de l'ail. Bon, je vous reprends, il est 14h30. Entre-temps, du coup, comme je vous ai montré, j'ai pris un smoothie,
Je mange 2-3 petits céréales, mais j'avais pas du tout envie de bouffer. Enfin voilà, donc j'ai attendu un petit peu et là j'ai mangé il y a pas très longtemps de la paella qui me restait d'hier. Du coup là je vais regarder un petit peu, je regarde là depuis plusieurs jours parce que je ne sais pas ce que je vais mettre en fait comme nouvelle collection pour la boutique. Le gros souci c'est que malheureusement la dernière collection n'a pas fonctionné. C'est la collection, je crois qu'elle a le moins bien fonctionné, ou une des collections qui... Enfin voilà, ça faisait très longtemps qu'elle savait pas aussi mal fonctionné. Bon, même si dans l'ensemble, de toute façon, ça me rapporte très peu. Mais là, genre, vraiment... Voilà quoi, j'ai vraiment pas vendu. J'essaye de faire une nouvelle collection pour que ça reparte un petit peu. Surtout que là, il y a pas mal de promotions, mais ça, c'est pareil, ça n'a pas marché. Donc, je crois qu'en fait, la réouverture du monde, le fait que... on puisse à nouveau aller dans les boutiques, etc. Bah, ça a fait que les gens n'achètent là, ne vont plus trop acheter sur Internet, peut-être pendant un moment. Ce qui me fout un gros coup de mou, quoi, parce que déjà, ça fonctionne pas bien. C'est très compliqué. Voilà, j'ai vraiment ouvert mon truc 4-5 mois avant qu'il y ait le premier confinement. Donc voilà, c'est difficile. Là, c'est vrai que ça m'a foutu un gros coup de massue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas trop entretenu mon Insta New Hope non plus. Enfin, voilà, j'ai un petit peu délaissé parce que ça m'a foutu les boules. Ce qu'il faut pas faire, hein, mais c'est vrai que du coup, ouais, j'ai un petit peu relâché. Mais là, donc je regarde un peu ce que je pourrais mettre comme nouvelle collection, en sachant que j'ai un tout petit budget pour pouvoir mettre une nouvelle collection. Donc le truc c'était soit je mettais une nouvelle collection bijoux, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de collection bijoux et j'adore les bijoux aussi. Soit je mets une collection vêtements mais qui va être vraiment... toute petite, ça se trouve je vais avoir que 2 articles, enfin voilà. Donc voilà, ouais, un petit peu compliqué en ce moment par rapport à ça, par rapport à la boutique. J'espère que ça va repartir, peut-être là cet été, peut-être que c'était juste là ce mois-ci, ou forcément je sais plus quand est-ce que ça a ouvert exactement les magasins et tout, mais c'est normal et tant mieux. Et moi je suis très contente de me dire que les gens retournent du coup dans les magasins, dépensent un peu de sous, les gens aussi vont retournent au resto, donc malgré tout c'est aussi un budget, il y a les cinémas qui ont ouvert, bref la vie reprend vraiment son cours, donc forcément les gens ils redépensent de l'argent mais beaucoup moins sur internet, ce qui est quand même très bien aussi. Mais c'est vrai que pour les boutiques comme moi, les petites boutiques qui sont uniquement sur internet et qui n'ont absolument pas les moyens d'ouvrir une boutique, ça fait un petit peu mal, voilà. Et puis je vous avoue que de toute façon, je sais même pas si j'aurais envie d'ouvrir une boutique physique avant très très longtemps. C'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais de toute manière, avec tout ce qui se passe, vu qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et que pour l'instant, le Covid n'est pas vraiment totalement derrière nous, puisqu'on a pensé déjà que c'était le cas 3 fois, je garde espoir que ce soit vraiment terminé, tous ces confinements, ces machins, ces fermetures de tout, etc. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut un peu attendre. C'est comme le mariage, le machin. Si on pouvait se marier demain, c'est clair qu'on le ferait. Mais de toute façon, avec la situation actuelle, on ne le ferait pas. Du coup, je pense que là, je vais bosser là-dessus. Je sais pas trop si je vais vous reprendre. Je verrai. Bon, je vous reprends là. Il est genre 20h passé. Du coup, ce soir, j'ai essayé de me faire comme salade composée. Mâche, tomate, mozza. Du jambon cru, et là je suis en train de faire chauffer mes petits chèvres chaudes. D'ailleurs, il faut absolument que je nettoie les plaques, c'est ignoble. J'avais une boule de pain, là elle commence à être un peu rance, donc j'ai remis un petit peu au four tout simplement. Voilà, comme ça, ça va un petit peu, ça sera un petit peu sympa. Et puis voilà, j'attends que mes chèvres chaudes cuisent, et puis voilà, après je ne vais pas tarder à manger.